Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 22e épisode de Let's Play sur Lands of Lore de Throne of Chaos. Ok, on est arrivé dans des mines. Et donc on va fouiller tout ça pour trouver la sortie. Car on a des amis qui nous attendent de l'autre côté. Enfin, j'espère. Alors, tant que c'est des chevaliers, ça va. Alors ici, il y a quoi? Il y a quelque chose à poser, j'imagine. Mais je ne sais pas quoi. Ou bien c'est du décor, tout simplement, ça marche aussi. Alors ici. Voilà. Alors, on va se soigner un peu. Kata qui soigne, comme ça il peut aussi arriver au niveau 4 en soins. Oh! Welcome, adventurers. My name is Prentor. You have finally passed my tests. Welcome to the army of the Dark Path. I'm certain that you will become my most valuable lieutenants. I am Miley, first envoy of the Dark Path. Join us now, and we shall rule eternal. We shall never join you, Mylek. Richard rules Gladstone. We would die before we bow to the likes of you. Throw down your weapons and fight us no longer. You cannot hope to sway our convictions. We shall defeat you here and return the rightful king to his throne. Be reasonable, Conrad. Dark army too powerful to beat. Join and become respected like Victor, Imperial Blacksmith. Honor means more to me than money and titles, Victor. Then, you shall die. D'accord. Oh, les belles griffes. Alors, je sais pas pourquoi, mais je sens que... il est sensible à la foudre. Mais, ouais, bon. Ou pas, en fait, hein. Ah bon, c'est tout? Clé de Géron, ok. Statuette. Gantelet des ténèbres. Ouais bon, voilà. Il y a plus personne. The war is silent. This should put a damper on the Dark Army's activities. The war room is silent. This should put a damper on the Dark Army's activities. Très bien. Alors, la statuette, je vais tenter de la mettre ici. Bingo. Qu'est-ce que j'ai ouvert? Ah, derrière. Enfin, pas derrière, mais là, là-bas. Et il me faut deux clés. An ornate lock. An ornate lock. Ouais, forcément, il faudra deux clés. On va dormir un peu. Ouais, donc là, ok. On avance là. Et là, on revient à l'entrée.
Alors, il y a un bouton là-bas, ok. T'es assez gros. Un onguent. Et rien d'autre. Ok, bon, bah, on va essayer de crocheter les serrures alors, hein, parce que là... There is no way to pick this lock. Ouais, voilà. Il faut donc que je trouve... on va voir un peu la carte... aller chercher peut-être maintenant Géron, si j'ai sa clé c'est que il est peut-être mort. Bah ah oui d'accord. Jaren has locked us out. Jaren has locked us out. Ben là, je ne sais pas où aller exactement. Il me faut deux clés. Alors, il y a... Il y a des hommes cochons. Des hommes sangliers. Bon allez, hop, on va là-bas. Il doit y avoir quelque chose ici, obligatoirement. The war room is silent. This should put a damper on the Dark Army's activities. En tout cas, je ne vois rien. Bon, je peux la reprendre. Ce gantelet des ténèbres, il va me servir à quoi? Doesn't fit. Non, c'est... Ah, c'est une clé. The key does. The key doesn't fit. Et ça, the key, does, the key doesn't fit. Ouais bon, ok, c'est pas une clé, c'est juste qu'ils ont pas fait de dialogue pour autre chose qu'une clé. Alors, on va aller à l'extérieur d'Ivel. Toujours une fois voir ici s'il n'y a pas des choses que je n'aurais pas vues. Il y a toujours quelque chose là-bas. Ben non, je l'ai vu, puisque j'ai les... Ok, donc là, 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 là... Non, on a tout vu. On va essayer de sortir d'Ivel. Je vais peut-être sauvegarder. On a tué quand même un beau morceau. Ok.
Donc il me manque la clé de Dawn et bien sûr le roi Richard. Bon. Donc là j'arrive à Yvel. Là, je ne sais pas, il faudra qu'on cherche un peu. Alors, toi là. On va te frapper, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je disais... Avant d'être interrompu par un mal appris. Je ne sais pas où aller. Ah, voilà ce que j'ai oublié. J'ai été regarder sur internet. J'y avais bien. C'était bien dans ce. Oups. Voilà. Ici au fond. Là-bas. Parce que je pensais... Ah oui, je suis pas assez loin. Je suis pas assez haut. Donc. Voilà, tout au fond. Un peu par là. Là, on avance. Voilà, stop. Là-bas au fond. Donc c'était bien dans la grotte. Où il faut utiliser le gant. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu. J'ai juste voulu aller trop vite, donc on doit trouver un endroit où utiliser le gant. Non, c'est pas là. Ah. The strange indentation. Voilà. Et ça se referme derrière moi. Ok. Retour. Ok. Pas de problème, mais j'entends de l'électricité. Alors, il y a des trous. Je tombe dedans comme un idiot. Alors, oui. I feel dizzy. I feel dizzy. Alors, petit problème. Ça marche sur des étincelles. Alors, on pourrait remonter. Tiens, j'ai plus de pétrole, mais bien entendu. Ah si, j'ai encore. Oui, bon, bah on remonte. Ah, on remonte, je sais même pas si on remonte. Ok, si on est là. Je vais envoyer l'étoile Vega
là-bas et ça ne fait rien. Bon bah je reprends mon étoile Vega. Ok, le trou s'est fermé. Étincelle 2. Ok. On va se reposer. Récupérer du mana. Ok. Donc là on avance. Dizzy. Toujours pas assez. Ok, j'ai une fois essayé le gel. Alors, on avance. Ok. Ok, on va utiliser la main, hein, puisqu'on n'a pas trop le choix. Je vais vérifier quand même. Il n'y a pas de bouton ou quoi que ce soit. Donc, ça a l'air qu'il faut utiliser la main. Alors, on peut descendre. Aller par là. Il y a un trou. Ok, on va sauvegarder. J'ai déjà une fois aller voir en bas où ça nous mène. Ok, on est loin de l'autre. C'est au cas où je tombe dans un trou, j'imagine. Alors, il y a un trou et un interrupteur. Téléporté. Ah d'accord, là derrière. D'accord. Allez, j'ai le 3. Ça ne fait rien. Boule de feu. 2. Que dalle, foudre, 2. Ah, là ça touche. Eh ben, on va utiliser foudre. Hein. Alors, oui, d'accord. Il n'y a
plein de portes, il y a plein de boutons, mais la plupart ne servent à rien. Et on est là. Ok. On va essayer de l'autre côté. On va poser quelque chose qu'on n'a plus besoin. Un casque. C'est pas assez lourd. Voilà, c'était juste qu'il était mal posé. Ok. Alors, je suis où? Je suis là-haut. Tout droit. Il y a des choses. Ça, c'est pas vide, quoi. Ou plutôt, si c'est vide, c'est compliqué. Bref, j'ai ouvert ici. Y'a rien par là, y'a rien par là, on avance. Ok, alors, y'a un coffre dans le fond. Ok. Locked. Oh, c'est fermé. Eh bien voilà, c'est ouvert. Bâton de la mort. Ginseng. Bouclier de George. Voilà. Ok. Réserve de Bannon. Clé jaune. Ah, ça c'est bien. Hop, nouveau sort. Brume fatale. Empty. Ah, brume fatale, c'est la brume verte empoisonnée. Ok. How shocking! Il y a deux électrodes. Très bien. Parfait. Ah, mais je vais peut-être faire de... Dizzy. Peut-être faire de la foudre sur les électrodes. Dizzy. Alors, étincelle. Deux. Voilà. Très bien. On se repose pour récupérer le mana. Dizzy. Hop. Parfait. Regardons la carte. Je suis là. Ok. On peut avancer. On va aller voir ce qu'il y a là-bas dans le fond. Justement. Je vous ai trop près pour lancer un sort. How shocking! D'accord. Ah, ou bien les électrodes, c'est le lieu de naissance des étincelles. Ah zut. Qu'est-ce que j'aurais de lourd à pouvoir poser?
l'instant, en tout cas, on s'en fout. Alors, j'ai fait le tour environ. Il y a juste ici un bouton qui ouvre ça. Ok. Message. Oui. Voilà. Activate and replicate. Activer et répliquer. Donc activer foudre. Trop près. Non. Je dois utiliser les étincelles peut-être. Ah, je dois peut-être mettre des étincelles ici. Mais j'en ai plus là sous la main. Zut. Bon, tant pis. Est-ce que ce sera utile? Je ne sais pas. I don't have enough magic. Oui, super. Hop. Voilà, comme ça, il m'embêtera pas. I feel dizzy. I don't have enough magic. Ok. Je me réveille, mais voilà. Dizzy. Allez, on campe, on dort, on régénère. Sans le vouloir. Alors ici. Voilà. Ok, alors, je suis où? Je suis là, d'accord. Je peux appuyer sur le bouton qui est là. Ça ne fait rien de plus. J'ai activé cette porte. Il faut aller voir plus bas, hein. Que j'ai encore du pétrole. Bien entendu que non. Puisque j'ai tout dépensé, enfin j'ai tout jeté à terre pour prendre d'autres objets plus intéressants. Donc là, il n'y a rien.
Alors, on peut continuer avec la main ici. Ah là, c'est ça. Ok, bon. Je pensais que ça allait ouvrir quelque chose de plus, mais non. Alors, est-ce qu'il y a une empreinte de main dans le coin? Par hasard. Oh, sérieusement. Voilà. Allez, on dort. Là, c'était Allez. Oh, I feel dizzy. Bon, on recule. Ah, sérieux. Ouais, sérieux. Bon, j'ai les potions de mana. I feel dizzy. Allez. Dormir. Ah bah. Là voilà la trace de main. Oh, voilà. Alors, on avance. Hop, d'accord. C'était un passage secret. Waouh. Ouais, d'accord. Tiens, j'ai une clé jaune. Bingo. Ok. Alors là, maintenant, il faut trouver la deuxième clé. J'ai bien compris.
Est-ce qu'il y aurait la même chose au niveau une main dans le coin sur un mur? Non, non, non. Alors, j'hésite. Voyons, voyons. Eh bien, on va regarder la carte un peu. Oui, et si tout simplement... Ok, alors sortir de là. Je reviens, pardon. On est là. Je retourne. Je retourne ici. Non, rien là, ou en tout cas, il n'y a rien d'activé. Il n'y a pas de trace de main. J'aurais oublié quelque chose sur le chemin. Ah, un petit lag. Parfois ça arrive. Faire le chemin, hein. On verra bien. Donc, on vient là-bas. Là, il y a la main. Parce que tu es là. Hop, voilà. Alors, on arrive là. À partir d'ici. Par là. Ah voilà. Bon, il y a une étincelle. Ok, allez, on dort. Secret, d'accord. Non. On sait jamais. Bah, bah voilà. Mais. Alors ici. Oh 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 oh. Derrière moi, passage secret. Ok. Moi, je ne suis pas encore allé.
là, je vais aller vers le nord. Voilà. Là, on peut aller tout droit. Comment ça, non? Dans un sens mais pas dans l'autre. Ok, je vais aller vers le bas, vers le sud. Il y a un gars, il y en a plus qu'un. J'avoue que parfois c'est un peu de chance, hein, mais il en faut. Hein. Ok, parfait. Ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé d'ailleurs, avant de manquer de chance. Ok. Hop. Il y a quelqu'un. Ça sert, mais voilà. Très bien. Pas.
distance, c'est que je suis sur mon chemin. Ah, une clé. Clé bleue. Ok. Alors là, je suis où? Je suis là, d'accord. C'est bizarre comme comme donjon. D'accord. Non, c'est pas un passage secret en tout cas. Ça n'en a pas la tête. Ouais. Donc je peux encore fouiller là, je peux encore fouiller là-bas dans le fond. Alors ça c'est fait. On va aller dans le fond. Flasque d'huile, potion de mana, potion de mana, les petites clés. C'est quoi ça? Gardien. Empty. Ok. Bon, maintenant faut sortir. Alors, j'ai la deuxième clé, j'imagine. Bingo. Shall bestow untold riches upon you. The Zeon tried your best, any offer those weaklings make. When you succeed in destroying the pitiful gnolls, our tribe shall call you Lord Conrad. I have no quarrel with either of your peoples. Why would I wish to harm them? Here are the terms, Conrad. The race which survives shall reward you handsomely for killing the others. You must choose your path.
I need more time to decide your fate. When you have decided, enter the sphere near the symbol of the tribe you wish to champion. You shall be spirited to the realm of your sponsor. Wow. Alors. D'accord, ok. Très bien. Alors, lequel des deux je vais choisir? Ça, c'est le gros problème. Alors, bon, eh bien, on choisira ça dans le prochain épisode. Je vais sauvegarder. Voilà. Et on reprendra ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Pardon. Mettez des pouces en l'air. Et surtout, portez-vous bien. Bye.